Salut les gens, c'est Okonay, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je vais jouer Talia Jungle. Mais il faut savoir que je suis le pire jungler de l'univers. Vous allez voir que mon niveau, il y a des silvers et des bronzes dans les commentaires qui m'ont dit « Je joue mieux que toi ». Et oui, vous allez jouer mieux que moi, vous allez voir, c'est une catastrophe. Parce que je vais rater trop de camps, je vais pas assez gank et tout. Vous allez voir mon niveau de jungler. Pourquoi je ne peux pas coach les gens en jungle et pourquoi je ne joue jamais en jungle. On est contre un Mundo, on a beaucoup de chance. Et on va voir comment ça se passe. Et franchement, si vous avez des conseils, mais je suis tellement preneur. Donc on est aussi sur Twitch en live. Là, maintenant, la vidéo est sortie, on est en live pour faire des duels 1v1. En fait, les viewers vont faire des 1v1. Et si vous arrivez à faire 3 victoires d'affilée en 1v1, vous allez gagner des cadeaux. Donc venez, tout le monde peut gagner. Il y a des silvers qui ont failli tuer des masters. Il y a des silvers qui ont tué des diamants. Bref, c'était à mourir de rire. Du coup, à fun, tout le monde peut participer. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Oula merde, je. On est un peu int là. Donc là, on va pas le smite. Merci le trash de s'être pris. Faites des dégâts, c'est mignon, c'est gentil. Alors par contre, il faut pas qu'il reset. Hein. Ah! Il m'a fait quand même des dégâts ici. Là, il faut juste que j'aille faire très très vite mon. Mon red buff. Donc là, on peut aller assez vite. J'aurais pas dû passer par là, là. J'étais en mode, est-ce que je fais le carapateur ou pas? Oh, bah, c'était rapide, ça. Donc, par contre, là, voilà. Ça, c'est une erreur déjà que j'ai fait. J'ai pas demandé à mon équipe de check ici parce que j'ai pu... on peut peut-être me le voler, en fait. Ou quelqu'un m'attend et je vais être dans la merde. Donc là, normalement, je devais censé... monter mon... Merde, je reprends une potion, c'est peut-être pas ouf, là. Je devais monter le W, mais c'est peut-être pour faire le carapateur plus vite. Ouais, là j'ai pas, j'ai monté le E, il fallait pas, je pense. Oh, je me reprends un coup ici, malheureusement. Parce que là, en fait, je n'ai pas assez. Comment dire? Je n'ai pas d'effet de contrôle pour le carapateur. Parce qu'en fait, quand vous faites un effet de contrôle sur le carapateur, donc le truc qui est normalement. Ici. Bon, là, on a eu de la chance que je le retrouve ici. J'ai préféré faire des dégâts sur le Mundo que sur le carapateur. Je pense que en jouant mieux et en paniquant moins, j'aurais pu avoir le carapateur plus Mundo, en fait. Là, j'ai un petit peu int. Je vais prendre ça vite fait. Je reste pas trop longtemps. Hop. Ok, j'ai mon niveau 3. Je vais pas trop me montrer ici. Je vais aller faire mes golems, il faut que j'aille de la botlane qui a besoin de gank là. Mais c'est bien, j'ai enlevé les buffs sur Mundo et j'ai probablement sauvé le Kennen aussi. Du coup, on a eu de la chance ici. Mais là, ma route de jungler est dégueulasse en fait. What? Le Shaco mid? BG. Là par exemple, les golems, est-ce que c'est pas trop tôt pour les faire? Est-ce que c'est un camp qui... Est-ce que c'est un camp à éviter? Je connais tellement rien. Vas-y, il faut que quelqu'un me coach. Vas-y, je vais prendre une heure avec tout camp ou un truc comme ça. Hein. C'est... Je suis trop nul. Hein. C'est insane. Hein. On va prendre les bottes. Potion, c'est bon. On va partir comme ça. Hop, la transition ici. Hop. Hop. Kennen qui est en train de tout détruire. Donc là, j'ai eu de la chance avec le Mundo. Et je pense que j'aurais dû monter le... Merde. J'aurais dû monter le W pour le carapateur. Après, ça m'a aidé pour tuer le Mundo. Mais je pense que le W était mieux anyway. Anyway! Ok, je vais faire ça vite fait. Oh, les camps se font vraiment bien. C'est super agréable de jouer Talia finalement, jungler. Ah, ok, nice. Que ce soit un petit peu difficile quand même. Après, il vient de faire son E là, le fizz. Ah, la gueule de faire en tout cas. Hein. Donc là, je le ralentis. Ok, donc on force le flash. Le fait d'avoir le smite bleu, c'est trop fort sur Talia. Attends, je vais voir juste ici pour le Mundo. Comme ça, je vais pouvoir faire le carapateur.
Okay, je pense que ça va être wardé ici du coup. Ok, je vois le Mundo qui arrive. Ok, plus beaucoup de mana, moi c'est un petit peu chiant. Là il vient de refaire son E. Bon, j'ai push. Est-ce que je peux push ou pas? Est-ce que j'ai le temps de push? Non, j'ai raté le canon, par contre ça c'est du hint. J'ai pas vraiment de camp, du coup je peux me montrer ici, c'est pas trop trop grave. Waouh, ok, super. Ça, ça coûte pas de mana. Hop. Je passe smite ça, évidemment. Hop, comme ça, il va perdre des petits trucs. Désolé, Chaco. Je pense que ça, c'était too much. Est-ce que vraiment, j'avais besoin de push ou pas? Parce que je pense que je lui ai niqué une vague, quand même. Je lui ai niqué 7 CS. Après, je nique 2 vagues à l'autre. C'est pas mal aussi. Là, je prends mes bots très, très tôt. Ok, j'ai mon buff dans 10 secondes. Bien joué à la bot lane. Merde, la transition ici. Parce qu'il va peut-être avoir des retards de level. Je vais aller l'aider. Ok, il s'est fait toucher par le truc. Là, je suis combien? Je suis à 38 en CS. Ok. Oh merde, oh merde. Merde mon mur, pourquoi je... Je suis jint. Jint, j'ai trop mal joué. J'ai oublié le mur que je pouvais l'enlever. J'ai eu de la chatte, j'ai eu de la chatte. Je joue trop mal, il faut que je m'excuse là parce que franchement c'était trop dégueulasse. Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué Talia, c'est horrible. En plus je lui prends tout le farm le pauvre. Je suis un FDP hein, je suis vraiment the FDP dans cette game. Oh, il se blâme lui-même alors que je pue la mort. My bad, hein. J'ai trop trop mal. En fait là j'ai paniqué le mur, j'étais en mode j'ai failli flash à travers mon mur. Genre si j'avais flash, j'aurais flash à travers mon mur. Vous rendez compte à quel point je ne sais plus jouer Talia? C'est un délire. Non, pourtant, normalement ça en vrai, j'ai rejoué Talia il y a pas longtemps. Là mon cerveau c'est juste... C'est le matin, je crois que je me suis réveillé. Mais putain c'est grave là, vos yeux, on sent les gars. J'ai de la chance, le Chaco qui m'a aidé à prendre les kills là. Juste prendre les corbins. Fizz il doit avoir son ultime dans 10 secondes, faut voir il l'a maintenant je pense. Je vais garder pour lui ici. S'il peut bait un truc. Ça va être compliqué de bait je pense. Pas assez de dégâts. Oh merde. Ah ça c'est dommage. Compliqué, compliqué de Fizz. En fait je devrais pas camp Fizz, c'est juste que le Chaco... Ah merde. C'est juste que le Chaco, je l'ai tellement mal mis que j'ai trop envie de l'aider. Mais je devrais ignorer Chaco. En fait il me contre trop le... Le Fizz, il faut vraiment que je l'évite, je pense. Là, par contre, dans 38 gold, je vais attendre mon objet. Pourtant, le Fizz était pas fed. Bon, il est quand même full AP. Le Chaco a un très très mauvais follow-up, en fait. De base, c'est pas un champion pour follow-up. En fait, je devrais pas gank Chaco. C'est un champion qui s'autogère, en fait. Il veut être en 1v2, il veut pas être en 2v1. Donc ça c'est un petit peu my bad. Donc je vais continuer à farm, on a appris de nos erreurs. Le Fizz, on va le respecter parce que je lui ai donné pas mal de gold en plus. Ah non c'est Mundo qui a eu le shutdown, 750 en 80. Je vais aider la bot. En fait c'est surtout la bot lane que je devrais aider. C'est pour ça que j'ai un peu mal joué. On va essayer d'économiser de la mana ici. Mais là par contre il y a quelque chose à faire là. Waouh. Ouais elle a des pop.
Bon là il a plus de mana. Ah ok. Le grab qui passe, GG. On va leur laisser le kill, bien joué. En fait c'est la botlane que j'aurais dû focus. Et ça c'est une erreur que beaucoup de joueurs font là. Je focus la midlane. Je devrais l'ignorer, le Shaco, même s'il m'a beaucoup aidé. C'est insane les dégâts. Oh, merde. On a rien vu. Ah ok d'accord. Ouais, mais moi j'ai pas de réduction de son. Hein. Oh, il fait tellement de dégâts. Ah le bâtard. Il faut que je regarde le stuff aussi. Ça c'est une grosse erreur. Ça c'est parce que vraiment je suis pas en mode tryhard et que je suis un petit peu en mode bolos. Parce que là je crois qu'il a même pas utilisé son ultime. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il a même pas utilisé son ultime, le Mundo. Ouais, essaye de le dégager. Il va falloir esquiver son cul, sinon t'es dans la merde. C'est bien, il fait des 16 steps. Bien, j'aime. Moi, du coup, on va commencer par quoi là? Ouais, Morello, bah très bien, Morello en vrai. Morello, c'est exactement ce que je veux en plus contre Mundo et tout là. Mundo, il y a Nami. Vraiment, le Morello là, ça va vraiment être top tier comme stuff. On va avoir beaucoup de pénétration magique. Là, je reviens pile pour mon bleu. J'ai pas mal de chance. Niveau camp, on est à quoi? 68 à 57. Ok. 10 secondes. J'ai le temps de faire ça. Oh, les dégâts. C'est trop bien. Bon, il y a un dragon d'air. Enfin, peut-être qu'on y pense. Je pense que en faisant une rosace au dragon, je pense que je peux faire le dragon très facilement. Par contre, est-ce que j'ai pas trop la flemme de faire le dragon? Go tester comment on le fait vite. Donc là on va faire la rosace. Ça fait quand même super vite. J'ai failli la fois. Donc ouais, t'as besoin presque de faire une rosace ici. Shaco qui est en 1v2, mais c'est limite ce qu'il veut encore une fois. Hein. Parce que moi si je viens je meurs et... Je peux pas rester quoi. Je peux pas rester. Ils ont switch botlane et... Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va continuer à farm, nous. Ouais, il y a une ward ici. Je vais essayer de l'enlever. Sauf qu'il y a un red buff. En fait, je vais aller à mon red buff. Est-ce que Mundo est peut-être en train de le faire, en vrai? Ils m'attendent peut-être, d'ailleurs. Puisqu'il engage, là. C'est trop risqué ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait on a vraiment zéro ward. D'ailleurs j'aurais dû check le héros de la faille. Parce que Mundo est peut-être en train de solo là. Ouais, je sais que Nami vient, mais c'est parce que moi je peux pas vraiment la chance. Ok, Mundo est là. Le problème c'est que je peux vraiment pas aller aider le Fizz, genre le Shaco. Je suis trop faible contre Fizz moi. J'ai pas trop envie d'aller les aider. Vas-y, j'ai envie de faire le héros de la faille là, non? 45 secondes mon smite, c'est peut-être un peu risqué. Juste, vas-y, on va enlever ça. Je vais faire le camp. Peut-être faire le héros de la faille après. Kennen se débrouille bien. Oh, je pense que je peux faire le héros de la faille en vrai. Testons. En vrai, si vous avez des conseils de ouf, comme la vidéo avec Diana, ça m'a vraiment aidé là. Je m'en fous que vous soyez bronze ou silver, vous avez 10 fois mon level en jungler. Strixie, t'as le temps. Trixie joue Evelynn, il a peut-être joué Talia. De toute façon, je m'en fous que vous jouez Talia ou pas en fait. Hein. Ok. Donc, ça c'est cool. On a l'euro de la faille, on a 2000 gold. On invoque le héros de la faille.
Ward. Ah, faut leur défendre. Moi j'ai pas de Zonia là. Je vais pas être de Morello. Il a plus de. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana malheureusement. On a juste pris la tour avec le héros de la faille. C'est vraiment nul comme utilisation de la du héros de la faille. Je voulais pas vraiment le faire, c'est juste Lucienne et en fait j'avais pas vu bah, tout le monde. Merde, j'ai un petit peu bête ici. Le smite qui va peut-être passer, non. C'est pas mal ça. Ok, mon W qui a pas fonctionné. Qui a pas touché. Mais c'est pas grave, elle a quand même flash. Moi je vais rester dans mes trucs. Ah dommage, je m'ai bouffé. Ouais, j'avais mon flash de dispo. J'ai foiré parce que je pensais que j'étais dans une. Dans un rond. Et en faisant mon cul, finalement, j'ai eu un jet. Et j'étais pas du tout dans la bonne trajectoire. J'avais plus de mana. J'aurais dû partir depuis très très longtemps. My bad. Ah, dommage, dommage. Il me manquait vraiment pas beaucoup pour ça. Oula, le flash qui est peut-être un peu risqué ici. Après, c'est ok. On a réussi à prendre la tour du top. Là, le héros de la faille était poubelle tiers. J'aurais peut-être pu aider mon équipe à la bot lane, mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Là, si je vends ça... Vas-y, je vais emmener une potion de correction. Comme ça, j'aurais mon Morello à ce bac-là. De toute façon, on n'a plus trop besoin des potions de corruption. Bientôt à 20 minutes de jeu, c'est pas la mort si je les vends. Je vais aller refaire le blue buff. Je sais pas si je devais donner un blue buff à mon midlaner. Après, c'est Shaco moins. Mais si c'était, genre, je sais pas, une Anivia ou Syndra. Je sais pas si je devais lui donner ou un truc comme ça. Prochain dragon montagne. Je vais faire le blue buff très très vite. Ils sont en train de tout niquer sans moi. Hein. Est-ce que je fais le dragon? Attends. J'ai de la chance à toucher tout le monde. On va quand même se faire ces deux petits kills là. Ou au moins un, peut-être qu'on va pouvoir push. J'aurais pu faire dragon si j'avais pas d'ultime, je pense. Ah, par contre, les gars. Bah là, j'ai le Morello, du coup, il va moins se soigner déjà. Mets des petits dégâts ici. Ça, c'est du catch. Pas fait attention à moi, j'en ai profité que Fizz fasse le petit foufou. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah, c'est bien joué le stun qui passe. On prend pas de risque, on flash tout de suite. On va enchaîner sur les kills, là, il meurt par un. Oh non, mais les dégâts que je mets. Oh, bon, il fout l'armure aussi, tu me diras, mais. Ça met des petits dégâts quand même. Hein. Ok, donc c'est un. Ah, c'est un Shaco. Hein. Ok, bah écoutez, c'est bien. On va faire ça. Je pense. Ouais, Mundo qui est ici. Est-ce que je peux catch quelqu'un là? L'anami qui arrive là. Elle arrive où? J'ai pas envie d'aider pour le Mundo, ils sont déjà bien assez, je vais juste one-shot elle là. Voilà. J'ai oublié de faire mon E, putain de merde. Putain, j'ai oublié de faire mon E! En plus, lui il était là! Comment j'ai oublié de faire des trucs comme ça? Oh putain, c'est un truc de merde. Je joue trop mal. J'ai oublié de faire mon E, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû faire E pendant mon W comme un gros débile. Pourtant, normalement, je. J'ai bien joué. C'est pas grave, hein, on fait des erreurs, les gars! Hein. Mais c'est, le problème c'est que ça c'est des erreurs tellement basiques en mécanique que c'est chiant de vous montrer ça. Donc là normalement j'étais censé one shot la Nami. Parce que vu que j'ai pas aidé mon équipe, bah, il fallait que j'aie une contrepartie intéressante. Malheureusement bah, c'était pas ouf ce qu'on a fait. Du coup est-ce qu'on prend Riley ou pas? J'ai pas l'impression que Riley est intéressant contre eux en vrai. Même s'ils ont... Oh un vrai Shogat Mundo si je leur mets un Riley. Ouais mais il a des...
Prenons un début de Liandry ou Dryley et on verra par la suite. Ouais, mais si je prends un Liandry sans... En vrai, non, il me faut un Liandry Dryley. On va commencer par le Dryley du coup. On a tout pour le Dryley, il nous manque juste 400 gold, tout va bien. On va aller faire quelques camps. Dragon, ils sont en train de le faire, ok, cool. Je vais aller faire les petits golems. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Ok, je pensais qu'ils allaient faire le dragon, mais tellement vite. C'est vrai que c'est juste... Bah non, finalement. C'est peut-être wardé ici en plus. Ok, ça s'est raté, c'est bien. Ils vont vouloir back, je pense. C'est dommage. Oui, c'est bien, on a le Morello normalement. Oh non! J'ai raté. Dur! Ah, quoi? J'ai fait 2 kills! Let's go! Bien joué. Et Kennen qui a fait un trou dans la base, c'est bien joué aussi. J'avais mon ultime, on avait 0 vision. On a... Je le sens en fait, tu vois, genre quand je vois qu'il n'y a pas de vision, je sais que le score de vision va être poubelle tiers. Le Thresh, il a 22, il devrait être à 40, au moins 30. Shaco, bon bah c'est pas grave, hein. c'est Shaco mid, c'est pas ouf, il devrait être à 20. C'est le Lucien qui a un bon finalement, avec ses Blue Trinket j'ai l'impression. Le top, il n'est pas de ward, j'ai l'impression qu'il a jamais acheté de ward. Moi je suis à 28, c'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression que c'est aussi le côté Talia, évidemment. On va se remettre ça, on va continuer, c'est parti. Je devrais limite prendre le Red Trinket, je pense. Bref, on a fait quelques erreurs, c'était une game... Bon, elle n'est pas gagnée, mais là, c'est, on a vraiment eu de la chance. Ma botlane était bonne, le Shaco était bon, top était bon, tout le monde a gagné plus ou moins sa lane. Du coup, c'est vrai que c'est pas trop une game représentative de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est ok. Carapateur qui arrive soon. Je connais pas les timers non plus. Carapateur, c'est toutes les quoi. 5 minutes, 4 minutes, c'est comme les dragons, c'est comme les camps. Non, comme les camps, ce serait un peu insane. Ok, le Kennen qui flanque ici. On va essayer de mettre de la pression mid. Oh, je suis pas bien ici. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, comment vous expliquer que j'ai voulu faire mon mur et je voulais pas aller dedans. J'ai voulu cliquer tout de suite, sauf qu'il y a un petit délai, il y a genre une seconde pour pouvoir redescendre du mur. Du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est limite traverser tout, avoir une chance et limite me casser genre ici ou un truc comme ça. Et là, c'était dégueulasse. Hein. En fait, je voulais mettre de la pression pour le Kennen qui puisse peut-être finir la game. Ah bon bah c'est Kennen qui nous carré, hein. C'est magnifique. Il me donne envie de jouer Kennen lui hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Ace. Bon GG, well played. Donc là j'ai fait des erreurs assez monumentales en termes de mécanique, c'était dégueulasse. Mais ça on va dire qu'on ne compte pas. Mais quand au début jungle route était pas bonne. Genre j'ai fait ce camp là. Je suis parti ici, j'ai perdu du temps, j'aurais dû faire juste ça. Go faire mon raid. Ah oui, j'aurais pu demander peut-être à mon top de warder peut-être. Après c'était un Mundo, donc je pense que je risquais rien. Mais au moins lui demander qu'il check. C'est au moins lui demander qu'il check le raid quelque part à un endroit. Le dragon c'était ok. Je sais pas si mon farm... est-ce que j'ai assez farmé? Est-ce que les golems au début c'était correct? Franchement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire, mais en vrai, là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on était contre Mundo et on avait une bonne équipe. Mais si c'était l'inverse, je serais en 0-13 et j'ai confiance. J'ai conscience que ça va être n'importe quoi. Je veux honorer le Shaco qui m'a laissé sa place. C'est vraiment stylé. Merci beaucoup, même si Kennen, il a trop bien joué. Du coup, les gens, n'oubliez pas, il y a le 1v1 sur Twitch. Tout le monde peut participer. Ça va être rigolo. Il y a no stress. Vous pouvez gagner des cadeaux. Have fun!
À très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, ciao, bye.